thank you Et salut, salut les gars, voilà, ça touche moi Sam Hospital et là vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc euh, dans un premier temps, comme d'habitude, je remercie ceux qui, me su qui suivent mes vidéos. Je remercie aussi ceux qui likent mes vidéos, c'est assez important. Si ce que je fais et que je mets en ligne euh, en ce qui concerne les bourses et les démarches, tout ça, si vraiment ça vous arrange, et je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi euh, vraiment qui, qui m'écrivent une box pour me remercier et tout ça. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Si ça vous arrange et que ça vous aide vraiment à postuler ou bien à poursuivre vos carrières, c'est vraiment intéressant. Et en même temps aussi, je voulais rappeler je fais cette vidéo-là juste pour les questions que j'ai reçues sur, sur YouTube. Voilà. Si je ne réponds pas vite sur YouTube, parce que je vois des personnes qui m'écrivent sur YouTube qui me demandent, qui me mettent la pression de répondre. Si je ne réponds pas vite, c'est parce qu'à côté de ça aussi, on travaille, on fait des choses. Donc, voilà, donc c'est le temps vraiment qu'on n'a pas. Voilà, donc je fais cette vidéo là pour répondre directement euh, à ces questions qui, qui sont sur la bourse de sur la vidéo que j'ai mise et que j'ai mis euh, précisément qui me demandait comme ça de à savoir est-ce que lorsque on poursuit directement à la bourse de des États-Unis euh, à l'université Oklahoma, voilà, donc est-ce que euh, on reçoit directement la bourse? C'est-à-dire, lorsqu'on finit de postuler, tout du tout, on a la dimension et on reçoit directement la bourse. Voilà, donc, je vais essayer d'éclaircir un peu pour que ceux qui euh, ne maîtrisent pas puissent au moins euh, savoir de quoi il s'agit. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire est très simple. Vous, êtes, vous allez d'abord vous enregistrer. Et lorsque vous finissez de vous enregistrer, voilà, vous attendez le résultat. Maintenant, le résultat, comment ça va se passer Je prends un exemple assez simple. Si moi, par exemple, comme ça, je veux faire des mathématiques. Donc, je postule en mathématiques. Et lorsque je vais finir de postuler en mathématiques, s'il y a un test à faire, ben c'est ce qui est plus important. Donc écoutez-moi très bien. S'il y a un test à faire, ils vont m'envoyer un message pour me dire qu'il y a un test à faire. Le test s'appelle le test SAT, le test SAT que vous voyez là. Donc le test SAT peut être redirigé directement avec l'université. Ou bien on m'envoie un lien pour me dire d'aller, parce que le test SAT aussi, ils ont, ils ont un lien pour ceux qui veulent postuler. Ou bien, on m'envoie un lien pour me dire, va sur ce lien et il faut faire le test SAT là-bas. Le résultat que tu vas obtenir, tu nous renvoies cela. Vous voyez? Et si vous, si vous marquez bien, tout est écrit sur le site. Et si vous marquez bien le test SAT, il y a un nombre de points que vous devez avoir pour être reconnu pour la bourse. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si on ne vous envoie pas de lien, que vous puissiez vous-même aller là-bas pour les postuler, c'est l'université alors qui va organiser ce test-là directement en mathématiques dans la faculté pour que je puisse participer et lorsque je vais participer je vais pouvoir euh, avoir une moyenne et c'est cette moyenne là qu'ils vont se baser dessus pour pouvoir me donner une bourse parce que j'ai une admission. maintenant il y a des facultés où on ne passe pas de, de test mais ils vont vous énumérer directement avec les notes que vous même vous avez avec les notes que vous même vous avez déjà sur vos bulletins et tout ça il y a des univers il y a des, des filières qui vont faire cela, ils vont faire ça comme ça. Vous voyez, voilà. Donc euh, j'espère que j'ai bien, j'ai été clair. Maintenant, si on vous demande d'aller sur, euh, d'aller sur par exemple comme ça, euh, comment on appelle ça, un site SAT pour aller faire le test, ils vont vous envoyer un lien. Maintenant, si on vous envoie, on, on vous envoie pas un lien, vous même vous, vous allez sur Google et vous écrivez test SAT USA. Vous allez voir que ça va sortir. Vous allez vous enregistrer et vous allez passer le test. Donc, ce que vous allez recevoir, vous allez venir télécharger sur la plateforme pour pouvoir postuler. Voilà. Et, en deuxième question, on me demandait, euh, comment, comment on appelle ça? En deuxième question, sur la chaîne YouTube, on me demandait ou bien la bourse des USA euh, s'occupait de quelle charge? Vous devez savoir que la bourse des USA que vous, a, vous allez postuler va prendre en charge la scolarité, voilà, et l'hébergement. Voilà. Mais, à côté de ça aussi, il y a encore des bourses, bon, tout ça, ça y est sur le site. À côté de ça, il y a les bourses supplémentaires que vous pouvez avoir et ajouter. Ça y est sur le site. Et il y a comment est-ce que vous devez vous faire postuler. Je l'ai toujours dit, et j'ai toujours répété. Si vous pensez que vous ne maîtrisez pas, si vous, vous essayez plusieurs fois que vous ne maîtrisez pas, nous, nous sommes en ligne pour ça. Vous voyez, nous sommes en ligne pour ça. Vous pouvez m'écrire une box et puis on va essayer de postuler pour vous. Voilà, donc, le fait de, de mettre la pression pour qu'on puisse expliquer, expliquer, expliquer. Déjà, une fois que je, je mets le lien, c'est pour que vous, vous soyez sur le site tout est là, si c'est en anglais, vous traduisez en français, et puis, vous, et puis, voilà, vous essayez vous-même de voir comment ça se passe. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas, faites-moi signe, et puis, on va essayer de procéder pour vous, on va communiquer ensemble, pour voir dans quelle mesure on peut, on peut le faire. Voilà, donc c'était moi le Samba Hospital, surtout prenez soin de vous, et merci beaucoup à ceux qui me suivent, merci beaucoup à ceux qui partagent aussi mes vidéos. À plus, les gars.